bientôt, c'est Bayomi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous permettre de dupliquer et de revendre des motos à l'infini. Tout d'abord, il va vous falloir un tank, donc vous montez dedans. Vous allez vous rendre devant votre garage et vous allez le placer juste devant l'entrée pour qu'il bloque la moto quand elle va sortir. Donc vous rentrez, enfin vous vous mettez devant jusqu'à temps qu'ils disent que vous ne pouvez pas rentrer avec une nouvelle garage. Donc là on avance encore un petit peu et ce sera bon, voilà encore un peu. Donc une fois que c'est fait, on sort. Voilà, on sort. Là, on rentre dans le garage. On choisit la moto qu'on veut dupliquer et après on revient. Donc moi je vais prendre celle du fond, voilà. Celle-là, voilà, je monte dessus, ensuite on sort, et normalement ça va tout faire bugger, on va se prendre le tank, voilà, on se prend le tank, et là on recule, on se reprend le tank et on va être éjecté. Donc là on est éjecté, voilà, et la voiture a été dupliquée, enfin la moto a été dupliquée, vous voyez qu'elle est là devant moi maintenant, je vais vous montrer au sniper, donc maintenant voilà, elle est devant moi. Mais l'autre est toujours avec celle que je suis sortie du garage, elle est toujours en dessous du tank. Donc pour pas la faire exploser, on va reculer avec le tank tout doucement. Donc voilà, on recule tout doucement pour pas la faire exploser vraiment doucement. Parce que sinon, c'est raté. Voilà. Donc ensuite on sort, on la prend. Donc voilà, là on sort, on prend la moto. Voilà. Donc là maintenant on n'a plus de balise, c'est l'autre qui a la balise, voilà c'est celle-là. Et donc pour la revendre, on va prendre celle qui n'a pas de balise et on va se rendre au Lost Custom. Donc je vais vous remettre la musique pas en chemin parce que ça va peut-être mettre un peu beaucoup. Voilà, là on arrive au Lost Custom, donc on va s'arrêter juste devant, voilà on avance encore un peu, on va chercher le téléphone, on va aller sur internet, on va aller dans Voyage et Transport, dans le site des véhicules, voilà on descend, et on va acheter un Karim Rebel à 3000€, donc ça va c'est le truc le moins cher du jeu, donc voilà, donc la couleur on s'en fiche, celle qu'on veut, voilà, n'importe laquelle, acheter. Ensuite, on choisit dans quel garage on met, et hop, on va direct appeler notre mécano, donc on quitte ça, hop, on avance encore un peu, on sort le téléphone, on appelle le mécano, et dès que le menu en haut à gauche apparaît, on rentre, avant que la porte se referme, donc on rentre, hop, voilà, on choisit le Karim Rebel. Voilà, une fois que ce sera choisi, on appuie, on va aller super vite sur, on fait flèche de droite et on fait vite vendre. On vend pas tout de suite, on attend juste que la save dorée s'en va en bas à droite. Voilà, donc là elle s'en allait, on a vendu. Enfin, donc là on va se retrouver en dehors du Lost Custom. Donc voilà, la duplication a bien marché, on a pu la revendre. Donc après, je vais vous faire une vidéo pour résumer vos véhicules. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse sur ces images. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de aimer si vous voulez. Et moi, je vous dis salut. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!